Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir comment trouver le sommet d'une parabole d'une fonction polynôme du second degré. Donc pour trouver le sommet d'une fonction polynôme du second degré, il faut la forme canonique de cette fonction. Alors moi j'ai pris pour exemple 3 facteurs de x moins 2 au carré plus 4. On remarque qu'on a bien la forme canonique parce qu'il est sous la forme a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Sachant que alpha est égal à 2 et bêta est égal à 4. Alors pour trouver le sommet de la parabole d'équation 3 facteur de x moins 2 au carré plus 4, eh ben c'est tout simple. On va par exemple nommer m le sommet de la parabole et il est égal à alpha bêta. Donc dans cette fonction juste là, le sommet serait m de 4. Sachant que le moins juste ici ne compte pas parce qu'il est directement dans l'équation et alpha est égal à 2. Donc voilà, c'est tout pour cette petite présentation. J'espère que vous avez compris comment trouver le sommet d'une parabole et je vous dis à bientôt pour de prochaines explications.